Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Sophia Stril-Revers et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce qui m'anime au plus profond, cette conscience que sur notre planète en souffrance, nous sommes responsables. Il est important d'intégrer cette responsabilité. La manière dont je l'intègre, c'est à travers trois ouvertures. Ouverture du cœur, ouverture de l'esprit et ouverture des mains. Quand je parle du cœur, c'est à la fois le cœur au sens de la générosité, du bon cœur, c'est aussi le cœur énergétique. Et c'est important pour moi de m'ancrer, de m'aligner sur ce cœur énergétique qui est en résonance avec le cœur de la vie. Le cœur de la vie universelle qui nous traverse en tant qu'humains, qui traverse les autres qu'humains, qui traverse la planète. Et en ouvrant le cœur, dans cette ouverture du cœur, on vit la paix intérieure. Et cette énergie de paix, c'est une énergie de vie. La deuxième ouverture, l'ouverture de l'esprit, je la vis à travers une formule que j'ai reprise du sage indien Satish Kumar, qui est beaucoup plus qu'une formule, qui est devenue pour moi une expérience de vie. Et cette formule, c'est « Tu es, donc je suis ». « Tu es, donc je suis », je vous le dis. Je le dis à l'arbre, au vent, aux nuages, aux cailloux, à l'herbe, au ruisseau. Je le dis à toutes ces formes de vie multiples qui partagent avec moi l'aventure de la vie terrestre. Et quand je dis « tu es, donc je suis », c'est « tu me donnes la vie, je te donne la vie ». « Tu es responsable de ma vie, je suis responsable de ta vie ». Et donc c'est cette expérience qui est devenue une alliée tous les jours que j'essaye de vivre en conscience, au plus profond de moi-même, dans chacune de mes cellules, dans mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps énergétique. Troisième ouverture, c'est ouvrir les mains dans les gestes du quotidien. Ouvrir les mains et prendre conscience que chacun de mes gestes s'inscrit dans les gestes des 7 milliards et demi d'êtres humains. Et qu'à mon niveau, je suis une de 7 milliards et demi. Lorsque j'ouvre les mains, c'est l'humanité qui, à travers moi, ouvre les mains. C'est lorsque je fais attention à ma consommation, c'est la nature qui se défend à travers moi. Ce sont les océans qui se défendent à travers moi. Quand je veille à ne pas faire un usage inconscient des ressources et notamment du plastique, puisque je sais qu'une bouteille de plastique, c'est 400 ans que des milliers d'animaux marins meurent d'ingérer du plastique. Donc, à travers ces trois ouvertures, je m'efforce de vivre en conscience. Pour finir, j'aimerais partager une clé vibratoire qui est celle du féminin sacré. Le féminin qui a été écrasé, mutilé, rejeté, je crois qu'il nous a conduits à cette destruction généralisée de l'écosystème Terre. Et donc, il me paraît essentiel de réintégrer le féminin. Et je vous propose de le faire à travers un mantra, un chant sacré à l'énergie féminine représentée en Orient par Tara. Om Tare Tu Tare Tu Re Soma. Om Tare Tu Tare Tu Re Soma. Om Tare Tu Tare Tu Re Soha. Et Tara, chez nous, c'est Marie, et que l'on prie avec cette prière de l'Ave Maria depuis des millénaires en Occident. Ave, Ave.